Thank you.
Voilà. Ça devrait marcher maintenant. C'est donc cela, le fameux aéronef entreprise ? Direction le Coertas, vers Hurleuil. En avant, entreprise! Autrefois, j'ai navigué sur ce vaisseau. J'ai parcouru le ciel. Emportant avec moi de braves aventuriers, comme toi. Depuis combien de temps ai-je fait mienne ces lunettes d'aviation ? Maintenant que j'y pense, quand j'étais enfant, j'étais toujours habillé comme un premier de la classe. J'aimais qu'on me complimente pour ma bonne conduite. Un véritable enfant modèle. Je voulais me rapprocher de mon père. Je suis né dans l'Empire Garlemaldais. J'ai étudié la technologie Magitech pour suivre les traces de mon père, Midnan Garland, un des plus brillants ingénieurs de l'Empire. Mais nous sommes devenus des étrangers au fil des ans, lui et moi. Maintenant que j'y pense, c'est lorsqu'il a commencé à s'intéresser au projet Météor. À cette époque, un autre homme a pris sa place dans mon existence et m'a donné l'attention que mon père ne me portait plus. Gaius Van Baelsar. Il est devenu un modèle, un mentor. Mais au final, la folie des conquêtes lui est montée à la tête à lui aussi. Et j'ai finalement choisi de fuir l'Empire. Je me suis installé en Eorzea,
utilisant mes connaissances pour fonder les forges de Garland. C'est là que j'ai commencé à porter ces drôles de lunettes. J'ai fait toutes sortes de rencontres, et j'ai même combattu le projet Météore qui avait fait tourner la tête de mon propre père. Si j'ai fait tout ça, au fond, c'était pour démontrer que la technologie doit être au service de la paix, non de la guerre. Mais avant tout, c'est à mon père que je voulais le prouver, pour le sauver. Ces lunettes étaient en quelque sorte le symbole de ma détermination. J'avais oublié ce sentiment grisant du vent passant sur mon visage, de l'ivresse de la vitesse. Cette lumière que j'ai sentie tout à l'heure, je comprends maintenant que c'est de toi qu'elle venait. Merci. Les Garlemaldais de souche ont un troisième œil. C'est peut-être pour ça que j'avais deviné, grâce à mon intuition. Tu sais, l'entreprise permet à des héros comme vous de rejoindre les fronts. Je suis fier d'être capitaine de ce vaisseau. Sid, vous avez retrouvé la mémoire ? Alfino, c'est ça ? Tu n'auras plus à t'en faire pour moi. Et Sid, je dirige les forges de Garland. En avant, il est l'heure d'aller mettre une bonne raclée à Garuda. Thank you.